Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre-Marie Hugo, je suis trompettiste depuis une quinzaine d'années maintenant, malgré ce physique de jeune adolescent. Et je joue les trompettes XO Jupiter depuis maintenant 4 ans. Quand on est trompettiste et qu'on fait la variété, on joue énormément dans des situations qui ne sont pas toujours très simples, et donc on a besoin d'avoir un vrai partenaire de travail qui soit polyvalent et qui permette de nous accompagner au mieux avec les difficultés de cet instrument. En toute sincérité, je ne me serais pas forcément tourné vers Jupiter quand on en a parlé. Et puis effectivement, dans ces instruments, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment bien. Jusqu'à trouver l'instrument que je joue maintenant depuis 4 ans, qui est donc la 1606, qui ne se fabrique plus visiblement, faut que je dise 1602, avec une branche en argent et un pavillon riffié, et qui est vraiment un super partenaire de travail, parce que c'est vraiment un instrument ultra polyvalent. Je dis beaucoup polyvalent depuis le début, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous, qui faisons beaucoup de styles de musique, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à faire... vraiment des choses très jazz où on va se retrouver en tant que soliste pour la progression, beaucoup de sections où il va falloir faire du lead, donc grimper énormément dans les aigus, mais avoir aussi faire du second, du troisième, quatrième, suivant les différentes formations qu'on accompagne. Et pour le coup, depuis 4 ans, j'ai trouvé un instrument qui me permet de réaliser tout ça avec beaucoup de simplicité et... je parle beaucoup, effectivement. Mais il parle bien. Enfin voilà, en tout cas, je suis très content de cet instrument et... J'étais vraiment pas parti sur ce choix-là à la base, puisque je jouais d'autres instruments auparavant. Bonsoir, je suis... Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Vincent Aubert, donc tromboniste. Donc XO, pour la même raison que PM, instrument complet, assez facile, enfin assez facile, qui a une belle tessiture, qui reçoit bien. Et donc voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci d'être là. Bonjour à tous, merci d'être là. C'est une première pour nous, hein, comme vous l'a expliqué PM. On n'est pas des habitués, mais on est très heureux d'être là et de le faire, de présenter les instruments XO, c'est notre première. Je suis membre d'Electro Deluxe depuis 6 ans maintenant, qui est un groupe de jazz funk français avec un chanteur américain. J'ai commencé donc par plein de styles musicaux. J'ai fait Beta Silent quand je suis arrivé à Paris, c'était du hip-hop. Après j'ai fait Yannick Noah, j'ai pu faire C2C qui est de l'électro, et à force de tourner avec tous ces groupes, mes instruments commençaient à devenir un petit peu problématiques selon le style. J'avais besoin de plutôt cet instrument, plutôt un autre, et puis finalement XO rencontre, j'avais commencé par le trombone, par un Jupiter, il y a un trombone d'études, ce qui était à l'époque le trombone low cost. Et aujourd'hui, donc, ils ont sorti toutes les gammes XO qui sont des produits de qualité, on va dire, hein, d'excellente qualité. Et la fameuse polyvalence, on peut jouer fort, on peut jouer doux, on peut faire du jazz, on peut faire de la grosse section funk. Et tout ça avec le même instrument, c'est plutôt pas mal. Quoi dire d'autre? Et ben, sinon, qu'on va peut-être vous interpréter un titre de Malten Milk. Enfin, bon, ils vont... C'est peut-être un peu exagéré parce que généralement ça commence à 3. En tout cas, avec les instruments XO Jupiter, le choix était d'avoir les mêmes marques d'instruments avec des finitions assez similaires pour justement avoir un son très proche. Et c'est vraiment les instruments qui nous permettent de pouvoir faire ce boulot de section à deux en envoyant un volume sonore assez important.
tout en ayant un son qui reste quand même toujours assez homogène et assez agréable à écouter, quoi, voilà. Et c'est vrai que le beau section, c'est réussir à jouer ensemble avec une personne qui n'est pas la même personne que nous, qui a une éducation musicale différente, et pour le coup, quand on arrive à des instruments qui sont bien conçus et qui sont proches les uns des autres, ça nous permet de gommer quelques défauts de nos expériences différentes. Voilà. Je sais pas si je suis très clair, mais... C'est pas mal. Exactement. Bon, là, pour le coup, on va essayer maintenant de vous montrer une section à 3. Non, c'est très bien. Toujours sur le répertoire du groupe Alton Mills. Donc voilà, on a pu une fois de plus vous montrer l'homogénéité avec trois instruments ce coup-ci, dans un répertoire toujours où on a besoin d'envoyer beaucoup d'énergie. Et voilà, moi de mon point de vue, je trouve que ces instruments nous permettent vraiment de garder ce côté musical tout en mettant beaucoup d'énergie, ce qui n'est pas le cas avec tant d'instruments que ça, parce que, on ne va pas se mentir, les matières premières coûtent de plus en plus cher, et donc il y a de plus en plus d'instruments ou de marques qui font des instruments avec beaucoup moins de matière. Et c'est vrai que chez XO Jupiter, on a des instruments qui sont comme ils étaient faits il y a quelques années, peut-être bien avant ma naissance, ou la vôtre d'ailleurs. Mais là, c'est la boulette totale. Donc, on va vous faire un répertoire, pour le coup, plus jazz, sur un arrangement d'un morceau bien connu qui s'appelle Sophisticated. Sophisticated. Propose un truc très intéressant, c'est que on peut avoir une déclinaison différente de chaque instrument avec des branches inversées, avec des finitions de pavillons, de branches différentes, avec une petite boîte qui est d'ailleurs très esthétique, et je trouve ça très chouette quand j'achète cette trompette,
qui nous permettent de changer le ressort des pistons, qui nous permettent d'avoir des dessous de pistons lourds. Toutes ces petites choses, en fait, ça peut paraître très anecdotique, mais quand on s'en sert énormément et qu'on cherche vraiment à trouver un son particulier, c'est plein de petits coups de main qui permettent d'aller vers une direction qui nous aide au quotidien et qui nous permettent d'avoir un son un peu différent. Et se démarquer dans ce métier, c'est toujours un truc très agréable. Là, je crois que là, j'ai clôturé le truc. Là. J'ai pas dégagé 4 ans.